Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait pas mal de temps que j'ai pas reposté de vidéo. Et ça m'énerve parce qu'à chaque fois je dis ça, je fais 2-3 vidéos et il y a encore un mois d'absence qui se repasse juste après. Et là surtout que j'ai même pas d'excuses. Je peux même pas dire que c'est le brevet blanc parce que j'ai pas du tout révisé pour le brevet blanc. Enfin bref, voilà, ce n'est pas le sujet. Donc comme vous avez vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui j'ai décidé de refaire une deuxième wishlist de mes baskets que j'aimerais avoir du moment. Donc la première vidéo vous avait bien plu. Donc voilà, et j'ai déjà plus de batterie sur mon appareil photo, c'est génial. On va commencer tout de suite avec la première paire. Donc Puma a fait une collaboration avec Rihanna et donc il y a une paire qui est sortie, c'est la Puma Creepers. Et moi j'aimerais bien la beige, donc c'est celle-là. Je vais pas m'étaler dessus parce que je pense que vous la connaissez vu comment on en parle de partout. Tout le monde l'a et tout, enfin bref. Je ne suis pas très originale mais je la trouve tellement belle et puis dès qu'elle est sortie je me dis oh mon dieu il me la faut. Mais de 1 elle est introuvable, elle est en rupture de stock partout et de 2 j'ai pas les sous pour l'instant. La deuxième paire donc c'est toujours des Pumas, c'est les XTS Clancy Pack. Donc j'ai mis le pack parce que les trois couleurs je les trouve magnifiques. Donc c'est celles-ci, elles sont trop belles. Alors je sais pas si elles sont sorties ou pas. De toute façon, il y aura des infos soit en barre d'infos, soit sur l'écran. Donc... La troisième paire que j'aimerais, c'est les Adidas NMD Runner Prime Kit Core Black. Voilà, le nom pas trop compliqué. Donc c'est celle-là, je trouve trop belle. Voilà, quoi dire de plus? In my heart. Aïe, ça fait mal quand même. Ensuite, la quatrième paire, j'aimerais bien des Diadora. Oui, c'est ça. Des Diadora, donc c'est une marque que j'avais jamais entendu parler. Et en fait, je suis allée sur le site, c'est quoi déjà le site, merde, enfin un site Sneakers Addict ou un truc comme ça, et donc il présentait la marque Diadora, et je pense c'est un peu le même style genre de Saucony et tout ça, qui sont, c'est une marque pas hyper connue, bon les Saucony commencent à être connues mais je veux dire c'est une marque pas super connue mais bref je me suis comprise. Donc voilà, donc c'est les chaussures là, je les trouve vraiment trop belles, c'est... Elles sont magnifiques. Par contre, le prix, c'est pas cocooning. Hein. La sixième paire que j'ai à vous montrer, donc c'est des Asics. C'est les Asics GT Cool Express. Donc j'aimerais trop les rouges et grises. Par contre, elles sont pas encore sorties. Je crois qu'elles sortent en mars, il me semble. Mais voilà, je les aime vraiment énormément. Et voilà. La septième, il me semble, de paire, c'est la Puma Trinomic R698 Soft. Donc c'est pareil, c'est un pack de chaussures, mais en fait j'aimerais bien les roses pâles. Voilà, je trouve vraiment jolie. Alors c'est une paire assez basique je pense, enfin les Puma Trinomic je pense que vous savez c'est quoi. Mais vraiment les roses pâles, je les trouve super jolies et je me vois trop les porter. La prochaine paire, c'est encore des Reebok. J'en ai deux, donc j'ai les Puma classiques et les... Bah, elles sont juste derrière. J'en ai déjà deux, donc c'est dans ce modèle là. Moi j'ai les roses et les blanches et les classiques. Et j'aimerais bien celles qui sont argentées. Je les avais vues en magasin, elles sont trop belles. Mais je me dis que ce serait vraiment forcé trop. Et non, je pense pas que je vais me les acheter. Le jour où je deviens millionnaire et que je peux m'acheter toutes les chaussures que je peux, j'achèterai cette paire, mais bon. Ensuite, j'aimerais bien avoir les Nike Darwin Triple White. Donc, c'est celle-ci. Je les trouve vraiment jolies. Surtout en blanche. Alors, en noir, j'aime pas trop. Enfin, en fait, ça a un aspect assez rush run. Mais. Ouais, je sais pas comment expliquer. Après, je sais pas si je me les. J'achèterai un jour, mais voilà, si jamais l'opportunité se présente, pourquoi pas. Et donc enfin la dernière paire que j'ai à vous présenter, donc c'est des Air Max 95, donc de la marque Nike, et c'est les bronzes. Donc en gros c'est toute noire avec une bande bronze. Je les trouve vraiment trop belles. Je me vois pas porter des Air Max 95 après parce que ça ferait peut-être trop gros pied, mais en tout cas je les trouve trop belles et pourquoi pas un jour, encore une fois si l'occasion se présente. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous ai présenté donc, tout
toutes mes chaussures, enfin toutes mes baskets que j'aimerais bien avoir. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est plus des éditions limitées ou des paires qu'on trouve pas partout que j'ai essayé de vous présenter. Pour changer un peu, parce que mon ancienne wishlist était plutôt basée sur des basiques genre Rush Run, Warash et tout ça. Là j'ai essayé de faire un petit peu différemment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de très très gros bisous. Si vous voulez une nouvelle wishlist de n'importe quel thème, dites-le moi dans les commentaires. Voilà, je suis super contente de revenir sur YouTube. Et voilà, je vais arrêter de parler. Gros bisous.